coup, ils vont faire combien de temps? Parce qu'on veut dire que c'est premier. Bah dans ça, il reste 3 minutes avant 13 ans. S'il reste 2 minutes, il est con. Ah mais là, il est petit. Kimo, un crash, ah, on est là, fait pas trop de bruit, 14 ans, voilà, on est là. Hein. Ah bah, je quand ça va tomber, après je vais me défouler un petit peu, je vais un petit peu dire des choses. Je vais parler un petit peu de mes projets. Qu'est-ce que tu veux dire avec les hop, qui sont en lien directement avec la démolition de ces bâtiments. Je pense que ceux qui me suivent un minimum, ils ont compris que tout ce qui est lié à la communauté hip-hop, au mouvement hip-hop, à la culture hip-hop, moi je le mets directement en lien avec notre histoire, l'histoire de l'immigration, nos parents, nos grands-parents, la colonisation, décolonisation, l'esclavage aussi, et l'histoire aussi actuelle de ce qui se passe actuellement par rapport à la culture, par rapport au rap, par rapport à la manière dont les gens sont habillés, la manière dont ils parlent, la manière dont ils font les choses, qui est directement en lien avec la naissance de cette culture en France dans les années 80 dans les quartiers populaires, et qu'aujourd'hui c'est vraiment démocratisé. Donc on aura l'occasion tout à l'heure, je vais un petit peu ouvrir ma bouche, on va attendre que ça, on va entendre le bruit. Regarde tes vidéos, frère, c'est bien. Non, moi, non, on n'était pas prêts. Eh bien, nous, on reste dans la boutique. C'est un retour de flamme. Non. Bon, il y a une bombe. Il y a une bombe. Ça se coupe, hein. Ça te jure. Est-ce qu'on a fait bien faire une bombe? Elle a un peu de bombe. C'est bon, le baron l'a résisté, c'est bon. Bon, ben voilà, hein. Comment quelques secondes, on passe de, comment on pourrait dire, on passe de quelque chose qui existe à quelque chose qui n'existe plus. Il y a une espèce de point de rupture en fait, une espèce de point de rupture, et il y a une espèce de phase au niveau du point de rupture qui représente un sas. Un sas. Qui est en lien directement avec ce qu'on voit tout de suite, c'est-à-dire cette fumée là, qui s'évapore, qui va se diluer dans l'air, qui va s'évaporer dans l'air. Et après les gens effectivement ils vont nettoyer. Et après voilà, ça restera juste dans les mémoires, dans les archives, sur des photos, sur des vidéos, dans la tête des gens. Là. Ils en parleront. Il y en a, ils en auront rien à foutre, il y en a pour qui ça sera important. Voilà. Il y en a pour qui ça n'aura absolument aucun sens. Comme si ça n'avait jamais existé tout ça. Si, tout ce qu'on avait fait, ça n'avait jamais existé. Et ben voilà. Fume là-bas là. L'horizon, là, c'était tout bizarre. C'est vrai que je parle beaucoup de hip-hop, et c'est vrai que là, prochainement, je vais arrêter mon projet. Là, j'ai encore, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je vais encore faire plein de vidéos, plein d'interviews sur Paris et aussi dans le sud de la France, et voir un petit peu aussi, je sais pas encore, peut-être à Amiens, peut-être à Toulouse, peut-être à Mulhouse. Je suis en train de gigoter, et je vais continuer. C'est pas fini, mais je suis sur la fin. Donc je sais pas comment exprimer ça. Bah, en fait ça va ensemble, c'est-à-dire que j'ai commencé mon projet, qu'est-ce que tu veux dire avec l'hip-hop, quand tu rappes tu parles, quand tu danses tu parles, etc. Tu aimes le streetwear tu parles, quand tu aimes la connaissance tu parles. Tout ça, je l'ai commencé en même temps que la démolition du bâtiment Champagne, et dans lequel j'ai grandi. Et forcément, ça va se clôturer avec la démolition des prochains bâtiments, là, c'est-à-dire Camargue, Argonne, je crois, et je sais plus. Donc, voilà, je suis très, très,
Je suis pas ému, mais je suis un peu, je tremble un petit peu là. Je suis un peu. En même temps, j'en ai un petit peu marre. J'ai envie qu'ils rasent tout vite fait, qu'on n'en parle plus. Et d'un autre côté aussi, j'ai envie qu'on prenne le temps de laisser des paroles, de dire certaines choses. C'est que c'est compliqué. Ça reflète exactement ce que je vis à l'intérieur. C'est exactement ça que je vis à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop ? Bah, c'est ça. On va dire avec le hip-hop. C'est qu'on a grandi dans des grandes tours comme ça, on a vécu des trucs de ouf que les gens ne peuvent même pas imaginer à l'instant. Il y a seuls ceux qui ont grandi savent ce que ça procure et ce que ça fait d'évoluer, de grandir et de gagner en maturité ou en gaspillage dans ces grandes caravelles. Il faut savoir aussi que je suis aussi attaché à toutes ces caravelles parce que j'ai fait beaucoup d'interviews autour, beaucoup d'interviews d'artistes du hip-hop ou autres, ou d'anonymes aussi, d'amis, de copains. D'ailleurs, je vais sortir le projet Opération Champagne, je pense dans quelques années. Opération Champagne, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des archives d'archives. Quoi. C'est tout ce qui est lié au hip-hop, je l'ai médiatisé, je l'ai utilisé comme un médiateur. Pour pouvoir faire un appel d'air et un effet boule de neige par rapport à mon projet vraiment qui me tient à cœur, c'est-à-dire Opération Champagne. Ça, c'est autre chose. Ça, on est dans la réalité pure. On n'est pas dans quelque chose qui a été orchestré par la culture américaine liée directement au capitalisme. Donc, en tout cas, qui a dérivé vers l'hypercapitalisme aujourd'hui. Avec ces idées avec lesquelles je suis plus forcément d'accord. Voilà. Parce que le hip-hop, c'est pas que du rap, c'est pas que de l'afro-trap, c'est pas ça. Le hip-hop, c'était autre chose. Aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Et ça a été réduit réellement à uniquement une musique. Alors que sur les murs de ce bâtiment-là, dans la fumée là, que vous voyez là depuis tout à l'heure, là, bah, il y a. Il y a des particules du hip-hop, mais pas que. Il y a des vies, réellement des vies. Voilà. Des vies, des histoires de vie, des histoires de couple, des histoires de famille, des parcours, des. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais on aura l'occasion de reparler de tout ça. Puis, bon.